Et bonjour à toutes et à tous, ici SperRH pour vous faire la suite de notre Let's Play Découvert de Jak 3 sur PS2. La dernière fois, on avait enfin remis les pieds à Abbeville, et quoi de mieux pour le retour à Abbeville que d'aller dans ces fameux égouts. Ouais, c'était évident la première chose à faire en revenant ici. Bon, on a quand même pu faire un tour à l'ancien bar de crew, qui est maintenant tenu par la Résistance. Et après avoir buté quelques grenagardes, on s'est rendu compte qu'Erol était encore en vie, et qu'il avait l'air très remonté contre nous, ce qui est presque pas étonnant, on va dire. Et Ashley nous a pris une usine de robots, et Thorn veut qu'on pète un mur avec des missiles. Donc c'est ce qu'on va aller faire. Je m'en charge. Surtout, ne touche à rien. J'ai jamais le concept que le missile n'a pas la même couleur dans la cinématique, mais bon. Ok. Ok. Ça s'annonce bien. Si tu touches quelque chose, tu pourras dire adieu à tes poils. Oh, pas que les poils, on a vu, Thorn. Y'a pas que les poils qui vont souffrir. Ah, péter les humains ne compte pas pour exploser le missile. Oh, c'est... Casse-toi de là, chauffard! C'est pratique, les gardes non plus. En que les bombes qu'il faut qu'on évite. La Hitbox est très généreuse, j'ai l'impression que la Hitbox en fait c'est le faisceau lumineux et pas l'orbe en elle-même. Ce qui évite de faire les sauts de précision. Ah ouais, j'ai regardé la map où il fallait aller. Oh, y'a un checkpoint en plein milieu de la jauge. Ah, ça par contre, c'est cool, les gars. Ah non, c'était l'autre côté. Rapide comme l'éclair. Bien piloté, mec. Le missile est presque chargé. Continue. C'est moi le jeu que je pensais, Daxter. Ouais, Thorn nous fait des compliments. C'est nouveau. Oh. C'est tout le tour que je me suis tapé. Bon, bah, au moins, on a accès à Abbeville. C'est quoi, ça? Bon, on va dire que comme c'est rouge, c'est pas bon. Bon, faut qu'on aille où? Faut qu'on aille faire quoi? On a deux missions, une au bar et une ailleurs. Donc, parler à Thorn au notable outre et parler à Tess au parcours de tir. Bon, on va continuer les missions de Thorn. On va commencer par ça. Désolé. Comme je sais pas s'il manquait des munitions, on va se faire le plein. On a quelques défenses grenagardes à exterminer. Des canons embusqués dernier cri empêchent nos hommes d'avancer. Jak, tu dois trouver ces canons embusqués et les détruire. L'ennemi lancera une contre-attaque dès qu'il réalisera ce que tu veux faire. Alors attention, tu connais la musique. Bien sûr, on fait tout le boulot et tout le mérite te revient. Bah, c'est classique ça, Daxter. Alors, faut qu'on aille où? Dans un bruit, déjà, ça, je pense. Ok. Y en a qu'un? Oh, les autres vont apparaître dès que je le répétais, je pense. Par contre, c'est agréable de pouvoir se déplacer dans un Abbeville sans avoir tous les gardes qui me tirent dès que j'arrive. Ah, les autres canons apparaissent. Combien du coup?
Ah oui, il y en a beaucoup. D'accord. Bon, bah ça va être une mission sympathique. Alors, ils sont où? Tu dois détruire ces turbocanons, Jack. C'est ça? Apparemment pas. Alors, vous avez vos petits doudous qui patrouillent aussi. Ouais, super. Il est énorme. Aïe! Toute l'écho blanche qui traîne, parce que comme ça me fera du soin. Ah bah, je suppose que les canons c'est ça. Ok, je vois le genre. Comme les interrupteurs brillent. Comme les interrupteurs brillent, je présume qu'il va falloir être rapide. Par contre, je sens que la vue comme ça va être chiant. Il y en a 4. Pas galéré, c'est faux. Au moins le jeu file du soin, ça c'est cool. C'est pour l'instant ça se passe bien. Pour l'instant. Ah, les autres sont au fond. Bon. Ouais, je peux faire ça sans faire de double saut en fait. Ici. Ah non, il y en a un troisième qui traîne. Ah, il est là. Ah là là. Bon, on va faire ça. Parce que vous allez regarder, vous. Bien joué, Jack. Ça va nous simplifier la tâche. On leur en a mis plein la vue. Ça, c'est toujours fermé. Bon, c'est une bonne chose de faite. On n'a plus qu'à aller au centre de tir. On n'a plus que la mission du stand de tir. Ouais. Le parcours de tir. Alors, ça va être le même parcours de tir qu'il y avait dans Jack 2. Un petit zoomer. Et c'est parti. Ça passe. Je suis encore avec le missile de tout à l'heure, donc j'ai peur de m'exploser contre le mur. C'est énorme là-haut, alors pour la choper. Les zoomers, ça va pas jusque si haut, donc par contre j'ai passé sans doute. Oh, il me tire pas dessus. Oh, ça fait du bien de pouvoir faire ça sans se faire tirer comme un lapin. La ville est en perdition.
Ouais, c'est bien ça, c'est le même parcours de tir que dans Jack 2. Dexter, tu es là? Oh, le vilain des airs a brûlé tes mignonnes petites popotes. Hé, hey, Tess, poupée, tout doux avec la marchandise. Ça roule? J'élabore de nouvelles armes pour qu'on puisse gagner la guerre. Tu fais des armes maintenant? Ouais, je viens de terminer ce nouveau flingue. Il possède un lanceur multiport gros calibre à rafale rotative avec système anti-fuite de gaz vers l'arrière et utilise des balles transperçantes enrichies en écho appauvri, ainsi qu'un scanner de zone continue pour des salves de tir extrêmement précises et rapides. J'adore ça. Pas si vite. D'abord, tu dois prouver que tu peux protéger mon petit Dax d'amour dans ce nouveau parcours de tir. Elle a toujours un problème, elle, c'est... Ok, nouveau mini-jeu. Ah ouais, d'accord. C'est des cibles qu'il faut tirer, des cibles qu'il faut pas tirer, moi j'en entends. Ouais, s'il y a des cibles qu'il faut pas tirer, ouais, voilà. Moi je tiens dans le tas, ça passe. Vite pour le jeu en fait. On lance pas qu'on en mettrait. Ah, et les petites araignées drones, ça peut m'exploser à la gueule. Moi, il n'y a aucune pénalité pour tirer dans les civils, donc je le fais, hein. C'est horrible, je le dis comme ça. Voilà. On a validé, moi j'aimerais dire que c'est l'essentiel. Le reste c'est que du bonus. Pas trop mal, Jack, pour un mec. Bon, je veux que tu protèges mon petit chéri. Sinon, je te retrouverai et ça risque de chauffer pour toi, ok? Wow, je savais pas que t'étais ici. Vous avez un sacré problème tous les deux. Mais bon. Du coup, le tournoyeur. Il faut retourner voir Thorn. Ah, c'est un mode pour le... D'accord, c'est un mode pour ça. Alors, ça consomme masse de munitions. Mais ça peut être très fort. Ah, la violence du bordel! Il nous faut plus d'hommes! En fait, ouais, ça consomme un max les munitions que j'ai, mais. Il est énorme là-bas. Pour le coup, le tournoyeur, quand je suis entouré d'un peu. Surchargé d'ennemis, on va dire. Ça peut être utile, mais faut pas que j'ai besoin de l'arme après, hein, parce que... Waouh!
Non, ces caisses-là donnent toujours la même chose, on dirait. Après, par contre, ça m'a vidé mon stock de munitions. Jack, je veux que tu passes par les égouts pour atteindre la section des Metalheads. Il faut qu'on les attaque par en dessous. Et les égouts sont notre seule chance d'y arriver. On n'est pas retourné dans ces couloirs depuis le début de la guerre. Mais aucun éclaireur n'a signalé quoi que ce soit. C'est bon signe, pas vrai? Ça veut dire qu'aucun éclaireur n'est revenu vivant pour en parler. Ah! Ah! Ah, l'émission foireuse, c'est toujours pour nous, hein? Obscure, sordide, dangereuse, cette guerre commence à me plaire. Non mais toi, on sait que t'es complètement fou, donc depuis le temps, c'est pas nouveau. Et Thorne est toujours aussi sadique, c'est... J'ai presque envie de dire rassurant. Bon, l'entrée des égouts, elle est où? En plein milieu d'où j'étais tout à l'heure. Ok. Donc atteint la zone des métalliques, j'ai les égouts. Ok. Bon, bah... Les égouts 2, le retour. Hein. On a perdu 3 batailles. La Bréville, c'est tellement devenu un dépotoir maintenant. Attends, faut juste que je trouve l'entrée. Ah, ce serait peut-être la mystérieuse porte qu'il y avait au-dessus. Ah non, juste là en fait. J'ai pas eu la porte qui était électrifiée qu'on a vu pendant la mission des tourelles, mais non. Ok. Donc nous revoilà ici. Ok, donc faut qu'on se retape tout le trajet, ou presque. Yes. J'ai envie de dire joie. Je crois que la porte là-bas faudrait pas que j'y aille. Non. On fasse demi-tour. C'était pas là ça la dernière fois. C'est les égouts, mais c'est pas le même niveau, on dirait. Enfin, il a l'air d'avoir changé. On va y aller avec le... l'arme à écho bleu. On va se perdre, se recharger un peu en écho jaune. Enfin, en munitions d'écho jaune. Oui, parce que comme les arts, en fait, ont les couleurs des échos principales qu'on voit dans Jack 1. Je veux dire, c'est pas un hasard. Là, par contre, ouais. Ce mode-là va être utile. Ah, c'est que le laser bouge, ok, c'est pour ça.
déjà. Ici, on va avoir des problèmes. Voilà. Allez, c'est le temps de goûter à ça, les gars. J'étais pas tous morts. J'étais fait R1 enfoncé, mais j'étais pas sur la bonne le bon mode. Coupé ! Où est le réalisateur ? Je peux pas travailler comme ça, moi ! Alors, par contre, comment ? L'attaque hors champ, par contre, ça c'est un peu dégueulasse. En fait, c'est pas Jack Duck qui m'aime pas. C'est Abriville qui m'aime pas. Ah mais j'ai plus d'écho blanc du coup. En fait, le mode de l'arme rouge, est un peu situationnel, mais dans les zones faites pour, c'est pratique. On va attaquer, là, je présume. Ok, là. Enfin, je pensais que le truc allait passer en dessous pour que je puisse passer à côté, mais bon. Voilà, go. De la paix. Sauf que ça m'aide pas, où est-ce qu'il faut que j'aille? D'accord.
par là. Ah, peut-être que j'active ça en fait, que c'est un bouton ça. Oui, on va libérer des copains. Tuer. Ah non. Ok, d'accord. Moi, je reviens full vie, c'est l'essentiel. Complètement AFK cerveau là, c'est... Je vais faire un saut simple en fait. Hop là. Ah, il y a problème de donner un peu d'écho blanc ici. Ok, là on est bon. Bon, ça c'est resté ouvert, mais mais ouais, c'est là qu'il fallait que je tue les Metalheads. Bon. Jack. Merci. Avoir tout vu en temps de mission relou, je suis servi. En fait, les patins, ça sert à dépasser plus vite, mais la flotte sert à se planquer. Ah là-haut. Est-ce qu'il arrive l'autre pont? Du coup, faut que j'arrive sur la plateforme. Voilà. Et voilà. Ouah, non mais... Laissez-moi au moins le temps d'arriver sur la zone.
Jack, c'est Ashlyn. Ravi que tu sois de retour. Tu es en territoire ennemi maintenant, alors fais attention. Tu dois détruire une cage d'écho noir près de la limite sud du port. On sait que les Metalheads s'en servent pour créer des armes à écho noir et envahir la ville. Nous devons éviter ça à tout prix. Bonne chance, soldat. Ouais. Ah, d'accord. Yes. Bah... Ouais, mais... J'ai mon mot à dire, peut-être, ou... Ou pas que non. Que ça va venir à l'infini, je voulais arrêter l'épisode là-dessus, moi, j'aurais pas dû sortir de la... J'aurais pas dû sortir d'ici, moi. Ouais, les métalles vont venir à l'infini, en fait. Bon. Et bah... Bon, bon, je vais arrêter quand même l'épisode là-dessus. En espérant être à... Je peux pas être tranquille parce que de toute façon les méthodes vont quand même arriver. Mais on va quand même arrêter l'épisode là-dessus. Bon bah c'est fait un épisode riche en mission, riche en galère et en fail. Et moi je vous dis donc à bientôt pour la suite de Jack 3. Merci d'avoir suivi cet épisode. Le petit like, commentaire, partage fait plaisir. Vous connaissez la chanson, le Discord en description. Et je vous dis donc à bientôt pour la suite de Jack 3. Et toi, laisse-moi finir mon épisode. Merci. Toi aussi. Allez, salut !